Bonsoir, bonjour mes petits humains, nous sommes dans cette quatrième partie de Pikmin. Et mon chat il me regarde bizarrement. Tu viens Mimoun? Viens. D'accord, il veut pas bouger. Le nombril de la forêt. C'est un nombril. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors ça c'est un endroit que j'aime pas du tout. En fait j'aime que les deux premiers niveaux. Je joue que pour les deux premiers, après les autres, allez-vous-en les autres niveaux, je ne vous aime pas, je ne veux pas de vous. Alors on va sortir que les rouges, parce que ben actuellement les rouges sont les plus utiles pour le moment. J'ai pas envie de faire mon fou et de faire le dangereux, donc techniquement il y a des techniques pour faire le fou et partir directement, mais j'ai pas très envie, vous me comprendrez. Allez viens toi. Je préfère faire doucement avec ça. Ah! Mais viens, s'il te plaît. Je t'ai dit de venir, il met 3 ans à réagir quand je lui dis de venir. Non, non, c'est vrai, ils peuvent pas. Mais viens! Ah là, il y a déjà une pièce ici. Là. Par contre, je sais pas s'il y a des ennemis au sol. Voilà. Un oignon bleu! Non mais j'ai peur qu'il y ait des insectes en fait, parce qu'il y a énormément d'insectes dans ce niveau et du coup j'ai peur que les Pikmin rouges ils se font manger. Il n'y a pas d'insectes j'espère. Ils sont où? Ah ils sont là. Ils m'ont fait une frayeur. Enfin la boîte automatique. Ils peuvent monter par là, hein? Ouais, ils peuvent monter. Prenez ça tout simplement. Et bougez plus. C'est très dangereux ce que je fais. Alors je me suis renseigné un petit peu sur le temps des jours dans le jeu. Et en fait, une journée est égale à 12 minutes environ. Alors c'est encore un Pikmin de couleurs différentes. On dirait que celui-ci possède des branchies près des joues. Ça suggère que ces Pikmin peuvent vivre dans l'eau sans souci, des Pikmin amphibiens. Et là, on va s'occuper de la reproduction de ces Pikmin. Oh, oh, toi, 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 oh, toi, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Mince, mais il est pas assez fort. On va appeler l'autre clic là. Il va s'occuper de lui parce que là, non, non, non. Oh. Mais va-t'en, on t'a dit. Bon, il sera tué tout seul. Hein. Mais c'est dommage parce que le Pikmin bleu, il a déjà, il est tout seul quoi. Il va pas se faire. Hein. Voilà quoi. Et t'as cru petit gars? Par contre, les bleus là, les rouges là, non, ils sont trop longs. Oh purée. Tristesse. Est-ce qu'il va en mourir? Ah ah. Meurs. Le ciel soit loué, ma bouée spatiale, absolument nécessaire pour les pilotes peu doués en natation dans l'espace. Il nage dans l'espace? Il fait de la natation synchronisée. J'ai eu énormément de mal à dire cette phrase. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse récupérer l'objet là? Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen.
Attaque-toi plutôt celui-là. Je crois que c'est 3 pour lui. 3 ou 4. Ouais, c'est 3. Ça fait penser au cri de... dans Doshin the Giant. Et combien il faut de jet d'ailleurs? Boîte automatique, elle est un petit peu fissurée, j'ai colmaté les craquelures avec de la terre. J'espère que ça ira. Avec de la terre. Voici le nouveau technicien. Il reste encore 5 à trouver. Oh, ah oui quand même. Je pense qu'on aura de quoi aller retourner dans la forêt. Dans la forêt pour la prochaine vidéo, mais... Non mais vous occupez de ça, pas de ça maintenant. Reproduisez-vous. C'est bizarre de dire ça quand même. On va quand même les ramener ces Pikmin rouges parce que... Ils servent un petit peu à rien là. C'est pas que je les aime pas les Pikmin rouges, je les adore mais... Vous servez à rien là, vous êtes inutiles pour ce qu'on va faire maintenant. Là, pour le moment, ceux qui sont à l'attaque, c'est les Pikmin bleus. Donc là, vous servez un petit peu à rien. Vous servirez plus tard. Mince, mais... Je fais n'importe quoi. Tout fait n'importe quoi, Ben. Il faut arrêter de faire des bêtises. J'espère que... Mais non, mais je t'ai dit... C'est à cause de personnes comme toi qu'on perd du temps. Il n'y a même pas assez de Pikmin en plus. En fait, il y en aurait eu assez si... Sinon, en fait, je sais pas compter. Ah, mais en fait, Olimar, il est assez fort, c'est juste que c'est un flemmard. Mais il faut pas le dire, je suis... Bon, venez-vous. Je vais voir s'ils peuvent récupérer l'autre objet là-bas, celui qui est juste en face. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas. Voilà. Le propulseur 1. L'inconvénient, c'est que les gaz d'échappement sont un peu, mais il peut se propulser à des vitesses folles en un clin d'œil. L'odeur n'est qu'un détail. Je vais un petit peu le nettoyer au limard, hein, parce que... Bah oui, bah allez, prenez-le directement et... Et c'est de l'eau ou du feu, ça? C'est de l'eau, je pense, ouais. C'est de l'eau. Bon, bah, étant donné que tous les Pikmin sont monopolisés là-bas, bah, on va préparer un petit peu à manger pour eux. Voilà, si c'est bleu, c'est mieux. Ils arrivent? Ouais, ils arrivent. Lentement, mais sûrement. Au moins, ils arrivent. Ah! Le fail! Attention. Ah, bah voilà. Bah nickel pour le moment, c'est moyen, mais ça va. Ils arrivent au moins? Ouais, ils font le tour. Limite, je pourrais partir en éclaireur là-bas avec les Pikmin jaunes et chercher des bombes, mais j'ai pas trop confiance en fait. Pas trop pour le moment. On fera si on a assez de temps pour récupérer plusieurs autres objets en fait. Si on arrive à récupérer l'autre encore, ça ira, on pourra faire ça. Mais pour le moment, on va encore attendre un peu. Par contre, il me semble qu'il y a énormément d'objets ici. On en a déjà récupéré un, il y a le deuxième, le troisième est là-bas. Ah, il y en a pas mal. Mais j'ai pas envie de retourner dans le nombril la prochaine fois directement. J'ai envie de retourner dans la forêt de l'espoir. Non, parce que la forêt de l'espoir, c'est un meilleur endroit.
Par contre, ils sont pas très forts, les Pikmin. Vous êtes pas très fortiche, les mecs. Faut faire un petit peu de plus de sport, là, vous savez. Ça paraît chaud sur le coup d'en avoir un deuxième. Surtout que j'ai peur de quel chemin ils vont emprunter, les Pikmin. Non, parce que j'ai pas envie qu'ils prennent un chemin super dangereux. Parce qu'ils s'amusent à prendre des chemins bien dangereux pour qu'ils meurent. Ok, ça nous en fait deux pour le jour, c'est déjà bien. Et le chronomètre me marque 11 minutes. Ouais, l'épisode il dure 12 minutes, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, une journée dure 12 minutes. Je pense que c'est plutôt une demi-journée, hein. Donc j'avais raison, c'était bien 24 minutes, hein. Une journée dans le jeu. J'espère juste que vous allez pas n'importe où, les mecs. Faites pas de bêtises, les gens, je veux pas. Pitié, juste pitié, n'allez pas dans l'endroit où je pense que vous allez aller. Ils vont pas à l'endroit où je pense, hein. Où est-ce qu'ils font? Ils font tout le tour! Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Mec, vous faites le tour du monde? Il faut faire ce chemin-là? Bon bah là, j'ai pas le choix, ils sont trop loin, j'en mets deux d'affilée. Ça ira plus vite. Et il en reste trois, je peux peut-être en ramener là-bas. Ah mais non, mais ils sont vieux, ils sont violents. Violents en termes de lenteur. Faut le noter. Et vous, ben dansez, voilà. Dansez pour votre maître. Ah, je suis trop lourd pour vous, hein. Bande de faibles. Ça m'étonnerait en fait que je puisse m'occuper du mur là. Enfin, quoique. Je pense que si j'ai le temps, je pense que je vais plutôt m'occuper des bombes en fait. Mais bon, là c'est ce qui reste. Ça devrait y aller peut-être. J'espère. Ah non, parce que ça a l'air vraiment. Oui, on sait que c'est la bouée parce que tu ne sais pas nager, tu n'es pas un très bon nageur, mais pourtant dans. Dans Smash Bros, tu nous montres que tu sais nager, Olimar. Tu me déçois. J'avais tellement d'estime pour toi et maintenant. C'est tombé à l'eau. Merci. Non, je voulais monter les Pikmin. Ouais, parce que dans le milieu, on les monte, les Pikmin. Mais non. Je vais faire bugger le jeu encore sans faire exprès. Il y en a 30 normalement. Oh, mais il y en a deux, ils sont toujours pas arrivés. Vous savez quoi, vous restez là, vous. Moi, je vais chercher les Pikmin rouges, jaunes, j'en ai marre d'attendre. On a fait qu'attendre dans la vidéo aujourd'hui. Et en même temps, bah moi en plus, je fais mon noob, moi, puisque moi, je fais trois fois le tour. Je pense que 20 c'est amplement suffisant, je pense. Ah non, non, en fait il s'éteint pas. J'ai eu peur, j'ai eu la frayeur de ma vie. Je me suis dit, ah bah mon PC il s'éteint. En fait non, il se mettait juste en veille comme si je ne touchais pas à l'écran en fait. D'accord, j'ai eu peur. Cette frayeur surprise quoi.
Est-ce que j'ai un chemin pour revenir au moins? Ouais, j'ai un chemin pour revenir, c'est bon. Wow! Et ils sont loin par contre? Ouais, ils avancent, c'est bon. J'ai un espoir pour eux là. Ils vont tous casser l'espoir que j'ai. Ah purée. C'est pas suffisant ou... D'accord. D'accord, il y a tout, c'est bon. Ah, un bug fréquent, il reste bloqué en bas. Bon, alors là, ça va être assez dangereux, parce que comme vous savez, j'avais déjà jeté des Pikmin dans les Pikmin avec des bombes, dans les parties précédentes. Et où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Non, mais ils font ce tour-là! Ils se font ce tour par là! Oh non! Mais qu'est-ce qu'ils font? La classe! Bon, bah c'est foutu. On fera ça une autre fois. Et celui-là, il est en train de se suicider, je sais pas ce qu'il fait. J'avais oublié qu'il fallait pas faire ça à cet endroit-là. Je croyais que ça allait... Oh, et puis zut, quoi. Rage quitte. Rentrez dans votre maison. Vous avez fait des bêtises. Enfin, c'est moi qui ai fait les bêtises. Mais vous savez qu'il vous faut des bombes. Vous l'avez déjà fait, en plus, vous. Et en plus, je galère à en faire sortir. Ah non, mais non, mais là je suis déçu là. Je suis déçu. Pendant ce temps, les Pikmin bleus là, ils sont là, ils font leur travail tranquillement. Ils font ce que je leur ai ordonné de faire. Ils font du bon travail au moins. C'est pas des vilains qu'ils écoutent pas eux. Eux, les Pikmin rouges. Bah, les Pikmin rouges ils existent. N'empêche, ce serait quand même intelligent de faire du nectar pour eux. Et les Pikmin bleus, on va directement les rentrer. Non, parce qu'on va essayer de faire un petit truc avant la fin. Parce que j'essaie quand même d'aller le plus vite possible. J'ai pas envie de tout perdre. Bon, on a eu au moins 3 objets, c'est déjà ça. Mais bon, ça aurait pu nous faire aller plus vite. Un excellent nageur comme moi n'a pas besoin de ce genre de choses, mais pas de devise. Mais ma devise est toujours prêt. Sérieusement, c'est juste en cas d'urgence. Ouais, toujours prêt, tu t'attendais pas à avoir une météorite dans la tronche, hein. À vous. À vous, allez, à vous. Bah voilà. Bon, bah c'est les premiers Pikmin à avoir des mini-fleurs. J'aime beaucoup la musique de fin de journée de cet endroit-là. J'avais jamais eu l'occasion de réellement l'entendre. Mais là, j'ai l'écouteur. Nice. Ah non, mais YouTube va encore me supprimer le commentaire parce que j'ai dit nice. Je comprends pas pourquoi YouTube, il supprime les commentaires quand on dit nice. Nice. Je comprends pas. Bon, ça paraît quand même chaud, en fait. Hein. Mais bon. On va plutôt s'occuper de faire ça. Non, faut avoir des Pikmin. Faut avoir des Pikmin jaunes. Je vais les rentrer. Je voulais faire quelque chose encore avec eux. Mais non, ça sert à rien. Je peux m'en aller. Et au minimum, regarder s'il n'y a pas d'autres Pikmin. Voilà, on va devoir passer par là et faire tout un détour pour faire des trucs et tout.
Cet endroit, je l'aime pas, cet endroit. Encore le début, ça va, mais après, j'aime pas. C'est trop violent. Enfin, tu peux te faire one shot facilement en fait à cause du feu. Parce qu'en fait, on est bloqué au sol, mais le sol, il nous aide pas en fait. Parce qu'en fait, le temps qu'on se lève, l'animation de flamme, elle revient et elle nous retouche. Du coup, quand ça arrive, on peut juste recommencer la journée. Reset la console et c'est bon. Magnifique la fusée. Elle est en parfait état. J'ai jamais vu une fusée en aussi bon état de toute ma vie. Ah, donnez-moi à manger. Le pauvre. Il est là, mais il ne pourra pas jamais manger. Alors, quatrième jour depuis le crash. Au plus profond de la caverne dans la forêt, j'ai découvert des pikmin bleus. Ces petites créatures bleues semblent posséder des branchies sur leurs joues. Ils sont amphibiens et ils vivent aussi bien sur Terre que dans l'eau. Les merveilles de la nature ne cesseront jamais de m'étonner, même sur une planète aussi étrange. Alors voyons voir l'évolution. On n'en a eu aucun de perdu aujourd'hui. C'était une bonne journée. D'ailleurs, on a eu les Pikmin bleus en même temps. Et on en a 174 au total. Mais il y en a 236 qui ont germé. Alors, je sais pas trop où est-ce qu'on va aller dans le prochain. Je pense qu'on va aller dans la forêt de l'espoir. On va plutôt aller dans la forêt de l'espoir d'abord. Parce que ça je pense qu'on va le faire en partie de... En triple... Ce sera un épisode de 3 jours où ça sera que du fast forward. Et ça sera... reproduction de Pikmin. mince, je suis parti trop tôt. Bon on se revoit dans le prochain épisode et à bientôt.